أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Chers frères, chères sœurs, très chers enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il était une fois un garçon de 10 ans qui avait perdu son bras gauche dans un accident de voiture catastrophique. Il décida d'apprendre le judo, malgré le fait qu'il avait cet handicap. Alors il commença à aller régulièrement aux entraînements avec un maître qui était très doué, très expérimenté en la matière. Alors le garçon se débrouillait bien, et puis au bout de 3 mois d'entraînement, il se demandait pourquoi son maître ne lui avait appris jusqu'à présent qu'un seul mouvement. Alors il hésitait à poser des questions à son maître, mais 3 mois plus tard, il décide d'affronter la situation, et il décide donc de demander à son maître ce qu'il en est. Il dit « Oh maître, je voudrais vous poser une question s'il vous plaît. » Le maître lui dit « Oui, il n'y a pas de souci. Dis-moi ce qui ne va pas. » Il dit « Pourquoi est-ce que je n'apprendrai pas d'autres mouvements dans le judo, d'autres mouvements à faire ?» À ce moment-là, le maître lui répondit très calmement. Il lui dit « C'est le seul mouvement que tu connais, mais en même temps c'est le seul que tu vas avoir besoin, c'est le seul que tu dois connaître. » Alors le petit garçon ne comprenait pas trop grand chose, mais il avait confiance en son maître et il se dit, si mon professeur dit ça, c'est qu'il doit avoir raison. Mais en même temps, les garçons étaient plutôt inquiets. Il n'était pas très rassuré et cette question finalement trottinait toujours dans sa tête. Mais il continua à s'entraîner et après plusieurs mois d'entraînement, le chef, le maître, décide d'emmener le garçon à participer dans un tournoi. Alors, le garçon est lui-même étonné, il est lui-même surpris de voir qu'il réussit à gagner très facilement les 2 premiers matchs. Ensuite, quand il arrive au 3e match, la compétition commence à être plus rude, plus difficile, mais au bout d'un moment, son adversaire perd patience et il est, encore une fois, il est déçu. Et donc, encore une fois, le garçon remporte le match. Donc, il est très étonné de voir combien il a du succès et il arrive finalement à la finale. Alors, lorsqu'il arrive à la finale, c'est bien sûr quelque chose de très difficile. Son adversaire est gros, il est très fort, il est beaucoup plus expérimenté que lui. Et pendant un laps de temps, pendant un moment, le garçon a le dessous, c'est-à-dire que il est en position inférieure par rapport à son adversaire. Donc son adversaire est en train de remporter le match, est en train de gagner. Et étant donné que celui qui arbitre le match, donc l'arbitre, il est inquiet, il se dit que peut-être le garçon va être blessé et il demande à ce qu'on s'arrête, qu'on fasse une pause. Et quand il fait la pause, il se dit qu'il vaut mieux arrêter ce match parce que ce garçon risque d'être blessé, risque d'avoir des séquelles. Et donc il est sur le point de décider que le match s'arrête là, jusqu'à ce que le maître intervient et insiste pour que le match continue. Donc,
Le match reprend et tout de suite après la reprise du match, l'adversaire du garçon, il fait une erreur très grave, il perd son attention, c'est-à-dire qu'il n'est plus concentré. Et donc, instinctivement et immédiatement, le jeune garçon, il utilise la technique qu'il a l'habitude d'utiliser et il va mettre son adversaire KO. En conclusion, le garçon remporte le match, il remporte le tournoi et il est le champion. Donc, il est lui-même très étonné par son exploit, il ne comprend absolument pas ce qui est arrivé. Et puis, après avoir célébré la victoire, etc., le garçon retourne à la maison avec son maître. Et sur le chemin du retour, tous les deux repassent en revue chacun des mouvements dans chacun des matchs qu'il a joués. Et en fait, le garçon, il parle de tout ça pour revenir à la question qui est en train de trottiner encore et toujours dans sa tête, c'est-à-dire le fait qu'il ne connaît qu'un seul mouvement. Et puis, il a le courage de demander à son maître encore de nouveau. Il lui dit, Maître, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que j'ai remporté le tournoi avec seulement un mouvement? À ce moment-là, le maître, toujours aussi calme, lui répondit, Il y a deux raisons à cela. La première chose, c'est que tu maîtrises à fond un des mouvements, une des techniques les plus difficiles en judo. C'est-à-dire que c'est une technique que les autres ont du mal à maîtriser, mais toi, tu ne connais qu'une seule technique, mais tu la connais à fond, tu la maîtrises, tu es maître dans cette technique-là. Et la deuxième raison, c'est que pour se défendre quand quelqu'un utilise cette technique, la seule façon que l'adversaire a pour se défendre, c'est de saisir le bras gauche de son adversaire. Ce qui veut dire que, étant donné que ce petit garçon de 10 ans n'a pas de bras gauche, c'est pour lui un avantage parce que pour trouver une défense à la technique qu'il utilise, son adversaire devrait saisir son bras gauche, mais il n'a pas de bras gauche. Finalement, qu'est-ce que cette anecdote, qu'est-ce que cette histoire nous explique? Elle nous explique que la plus grande faiblesse, le plus grand handicap de ce garçon s'est transformé en sa plus grande force. C'est-à-dire que il remporte le tournoi, il devient champion grâce à son handicap. Et cela nous montre que dans la vie, notre plus grande faiblesse peut, notre plus grand défaut peut se transformer en notre plus grande force et en notre plus grande qualité. Mais c'est à nous de bien exploiter nos faiblesses pour les transformer en quelque chose de positif. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner de tout handicap physique et mental, ila yamin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de prendre soin, de donner de la persévérance, de la patience à ceux d'entre nous qui n'ont pas tous les bienfaits dont nous bénéficions, qui ont un handicap physique ou mental, ila yamin. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim.